Encore 5 minutes. Ça fait une demi-heure que tu répètes ça, chérie. Encore 1 minute. Tu vas finir par rater ton avion. Je prendrai le suivant. Là, tu vas sûrement rater ta réunion. Ça m'est égal. Tu exagères. Oui, un peu. J'aimerais rester ici. J'ai tout le temps envie de toi. Tu me manques déjà. Merci. Je pourrais te manger toute crue. Au revoir. Du courrier pour mon joli cœur. Ma grande sœur est devenue aveugle ou quoi? T'as vu l'état de mon vélo? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ton mari modèle qui t'a pas laissé fermer l'œil de la nuit, c'est ça? Où est-ce qu'il est parti cette fois-ci? À Vérone. Ah, les opéras, Roméo et Juliette. Le trou vert dans les arènes de la ville. Et pourquoi tu n'es pas partie avec lui? C'est un voyage d'affaires. Oh, tu parles. Ton cher mari adore les domaines viticoles. Il y boit, il y mange et accessoirement touche 2 mots aux vignerons pour commercialiser leur vin. Ça, c'est vraiment la dolce vita, non? Je n'aime pas beaucoup voyager. Dommage. Tu rates plein de choses. C'est une lettre d'amour? Donne-moi ça, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Oh, c'est pas vrai. Ton mari couche avec une autre femme? Non, c'est une blague. Je vois pas ce qu'il y a de marrant là-dedans. Je réserve le prochain vol pour Vérone. Non, ne fais pas ça, Claudia. Je fais confiance à mon mari. La confiance, c'est bien, le contrôle, c'est mieux. Je le sentirais s'il me trompait. Et oh, la belle au bois dormant, réveille-toi un peu. Les hommes ne sont pas tous des princes charmants. Il y a aussi beaucoup de crapauds. Oh, les vols sont tous complets. Bon, tant pis, on prendra le train de nuit. Il va faire une drôle de tête quand il va nous voir débarquer dans sa chambre d'hôtel. Où est-ce qu'il est descendu? À l'hôtel Alighieri. Hôtel Alighieri. Attends, j'y vais toute seule. D'abord, tu demandes son numéro de chambre, tu frappes à sa porte en te faisant passer pour une femme de chambre. Et puis quand il ouvre, si tu vois une autre femme avec lui, alors là... Ma carte d'identité est périmée. Oh, mais ça fait rien, les accords de Schengen, tu connais pas? Ok. Bon, il vaudrait mieux que je t'accompagne. Non, j'y vais seule, je vais te prouver que tu as tort, tu verras. Ah oui, et moi je vais te décoter le meilleur avocat spécialiste des divorces. Monsieur, excusez-moi, je suis très embêtée, mais je dois vous prier de partir. Vous êtes dans ma cabine, alors allez-vous-en tout de suite, sinon j'appelle le contrôleur. Excusez-moi, mais
C'est aussi ma cabine. Ah bon? Je l'ai pourtant bien réservée pour moi toute seule. Vous l'avez réservée à la dernière minute? Oui. Ça arrive souvent, c'est une double réservation. Mais ne vous faites pas de soucis, mon lit est au-dessus du vôtre, vous ne me verrez pas, je ne ronfle pas, vous n'entendrez rien du tout. Contrôle d'identité. Contrôle d'identité, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ouvrez la porte. Pardon, pardon, ne faites pas de bruit, Attention, ce sont des contrôleurs. Et ma carte d'identité est périmée. Ils vont me mettre dehors, alors il faut que vous m'aidiez. Oui, ce serait avec grand plaisir. Mais ouvrez je la suis porte, un passager clandestin. Quoi? Contrôle d'identité? Il est de l'année dernière. Non, ça, alors c'est incroyable. Mais c'est pas grave. Donnez-moi le vôtre. Oui? Contrôle d'identité. Oui, tout de suite. Bonjour. Il y a un autre voyageur avec vous? Non, j'ai réservé toute la cabine. Il y a parfois des erreurs. Oui, c'est vrai, oui. Merci. Bonne nuit et bon voyage. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Oui. Ils sont partis? Non, ils prennent une douche. C'était pas drôle. Avec un peu d'imagination, on va se dire qu'il sort du four. Tenez. C'est gentil. Pourquoi vous voyagez sans payer? Ma fortune s'élève à 240 euros et 20 cents. Avec ça, je dois acheter un costume, me payer une voiture de location et une chambre d'hôtel. C'est une alliance. Gardez-la précieusement. Moi, je me suis fait larguer. J'ai une grosse affaire en vue à Vérone. Ça va m'aider à m'en sortir. Croisez les doigts pour moi. Si vous ne braquez pas une banque... Au fait, je m'appelle Antoine. Antoine Bruck. Diane Schönleber. Enchanté. Bon, maintenant je vais disparaître. Je ne ronflerai pas. Monsieur Bruck? Oui? Est-ce que votre femme vous a quitté parce que vous la trompiez? C'est elle qui était infidèle. Et comment vous l'avez découvert? Quelqu'un me l'a appris. Quand l'amour meurt,
On a l'impression que la nuit tombe en plein jour. Même si on allume une allumette, c'est le noir complet. Il n'y a plus rien. On est seul. Vérone, c'est le terminus. Alain Schönleber. Bruno ? Bonjour, je ne t'attendais pas si tôt. Oui, je sais. Notre rendez-vous était prévu pour ce soir, mais je suis venu en avance pour t'éviter une mauvaise surprise. Viens, asseyons-nous. Tu veux un espresso ? Non, merci. Raconte. Oui. Imagine-toi que quelqu'un d'autre souhaite vendre mon vin. Faut qu'on en parle. Bruno, les contrats sont dans ma chambre, prêts pour la signature. Oui, oui, pour moi, tu es le meilleur, ça c'est certain. Mais ma femme Isabella veut aussi avoir voix au chapitre. Tu sais comment sont les femmes. Ce n'est pas grave, laissons l'affaire. De toute façon, je suis de ton côté. Oui, je te fais confiance. Ah, Madame Schönleber. Victoria. Oh, votre beauté me fait oublier tous mes soucis. Oh, l'amour, l'amour, l'amour. Monsieur Bellingeri. Mon Dieu, si Isabella voyait ça. Oh. Asseyez-vous, je vous en prie. Oh, chère madame, je suis fasciné par votre charme. Oh, je suis ravi de vous voir. Dites-moi, très chère. Madame Schönleber ? Quelle coïncidence ! Alors, comment est-ce que vous me trouvez ? Hein ? Bah, c'est libre. Antoine, c'est bien fou. Où
les bas, je vous préférerai tout à l'heure. Ah bon? C'est les lunettes de soleil, peut-être. Si je les enlève, c'est mieux. Qu'est-ce que vous en dites? Avec ou sans? Bon, j'ai mon rendez-vous d'affaires à 20h ce soir. Il n'y aura plus de soleil. Je n'aurai plus besoin. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Réveillez-vous! Allons, allons, il faut se réveiller! Non! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous en avez pris combien? Salut les gars! Allez, venez! Venez! Allez, venez! Venez avec moi! Voilà! Allez, on y va! Je dois m'en aller. Je dois être... M'en aller! Bonjour. Monsieur Brun, mais... Vous voulez foutre votre vie en l'air pour un truc comme ça? Franchement, ça me dépasse. Il y a quelque chose à boire. Merci. J'ai mal à la tête, vous n'auriez pas une aspirine? Non, j'en ai plus. Je suis allé chercher vos affaires tout à l'heure. Les toilettes sont dans le couloir. Vous avez une serviette et la douche est propre, même si on peut en douter. Ah, mais ne restez pas près de la fenêtre! Qu'est-ce que vous faites là? Vous me donnez des sueurs froides, reculez s'il vous plaît. Mon avenir tout entier dépend de ce dîner, alors je vous en prie, ne faites pas de bêtises. Allez, venez, venez! Oh, allez-y tout seul! Non, 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 vous êtes capable de vous tuer encore. N'importe quoi. Comment ça? Vous étiez tout près de la fenêtre tout à l'heure. Par là. Faut qu'on s'invente une couverture, comme les espions dans les services secrets. Alors, où et quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Eh bien, dans le train, c'est simple, non? Non. Ok, vous venez de Novosibirsk. Non, mieux que ça, de Vladivostok. Vous ne parlez que le russe. Et vous avez perdu votre groupe de voyage. Ou alors, vous avez été traumatisé par une explosion dans une mine en Roumanie et vous avez perdu l'usage de la parole. Ou alors, on est d'anciens camarades de classe qui viennent de se retrouver par hasard. Je ne vous ai pas reconnu tout de suite parce qu'à l'époque, vous portiez un appareil dentaire. Et vous, vous étiez obèse, vous portiez des verres de lunettes énormes et une monture affreuse. Et vous aviez de l'acné plein la figure. Comment vous savez ça? Non, pas de lunettes. C'est la première impression qui compte. Bonsoir. Nous voudrions voir... Bonsoir. Monsieur et Madame Bellingeri, s'il vous plaît. Bellingeri. Bellingeri? Hey, vous pouvez me suivre, s'il vous plaît. Bellingeri? Mais vous êtes dans quel domaine? Le commerce du vin? Non, pas question. Non, 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 moi je peux pas y aller. Monsieur Brun? Oui, bonsoir. Tu avoueras qu'il exagère un peu, quand même.
La ponctualité n'est pas votre point fort, on dirait. Désolé, le chauffeur de taxi a fait n'importe quoi. Nous étions presque à Rome. Oui, nous sommes ravis de vous voir. Oui, moi aussi. Isabelle Abelin-Guéry, et voici mon mari Bruno. Bonsoir. Désolé pour le retard, Bruck. Et voici... Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne veux pas nous présenter? Si, bien sûr. Eh bien, voici... Rebana, une ancienne camarade d'école. Tu te souviens, je suis Alain. Je portais d'horribles lunettes, mais oui, avec une affreuse monture, j'avais de l'acné sur la figure. Rebana, ça alors, quelle coïncidence! Ne dis rien, tout ira bien, d'accord? Bruck. Ah, Antoine Bruck. Alain, Schönleber. Schönleber? Victoria Schönleber. Enchantée. Bien. Asseyons-nous maintenant. S'il vous plaît. Monsieur Bruck. Nous avons déjà commencé. C'est délicieux, je vous le recommande. Oui, nous allons prendre la même chose. Je n'ai pas faim du tout. Ah, mais on est ici pour manger, pour déguster du bon vin et profiter de la vie. Mais pour moi, c'est un voyage d'affaires, pas d'agrément. Bien sûr. Mais on peut très bien combiner les deux, vous savez. Viens avec moi, je vais te montrer les toilettes. Mais enfin, tu veux faire capoter mes affaires, ça va pas? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais enfin, je rêve, c'est pas vrai, Diane! Je vous en prie, goûtez ce vin. Il vient de notre domaine. Oui. Ça fait longtemps que vous êtes mariés? 3 ans. Vous avez des enfants? 3. 3 enfants en 3 ans? Oui. Des triplés. Oui, nous avons 3 enfants. Des triplés. Ah, ben ça alors? Des garçons magnifiques. Vous avez des triplés, vous aussi? Enfin, je veux dire, des enfants? Hélas, non. Le bon Dieu a été très généreux avec vous, mais avec nous, il a été très économe. Oui. Diane, qui a écrit ce truc-là? Diane? C'est honteux de s'immiscer dans la vie privée des gens comme ça. Diane? Écoute, tu sais combien mon travail est important, et tu sais que les temps sont durs. Ces grands exploitants agricoles italiens, ils sont très conservateurs, et catholiques, archi-catholiques. Pour réussir dans ce pays, il faut être sérieux, c'est-à-dire qu'un homme doit être marié, et il faut que sa femme l'accompagne aussi. Et toi, tu ne veux jamais venir. Je te l'ai souvent proposé, et tu réponds toujours non. Tu réponds toujours non! Bon, d'accord, je peux comprendre. Seulement, pour que tu ne manques de rien, il a bien fallu que je trouve une femme de remplacement. Et je la présente au client, c'est aussi simple que ça. Elle est amoureuse de toi, ça crève les yeux! Oui, c'est pas une situation facile, crois-moi. Mais ça, c'est elle que ça gagne. Mais t'as couché avec cette femme! On peut pas dire ça comme ça, c'était par hasard, on avait beaucoup trop bu et... Diane, est-ce que tu sais à quel point on peut se sentir seul dans un hôtel? Est-ce que tu le sais? Imagine, le soir, on se retrouve tout seul au bar. Et puis après, dans l'ascenseur, quand on se voit dans le miroir, on réalise à quel point on souffre. Et puis, ces lits d'hôtel immenses, ils sont si grands qu'on peut presque s'y promener. Et s'y perdre si on n'a pas de plan. Oui, c'est vrai. Une chose en entraîne une autre et... Mais je n'ai toujours pensé qu'à toi. Écoute. Tu vas rentrer tout de suite à la maison.
Je vais terminer mes affaires ici et ensuite, on parlera tranquillement tous les deux. Ça va s'arranger. Mais d'abord, je dois obtenir ce contrat. Il s'agit tout de même de notre avenir. La pauvre, elle est dans tous ses états. Sa robe a sûrement dû coûter très cher. Elle a l'air très bouleversée. Non? Si, Rebana a appris aujourd'hui que son père avait disparu en Roumanie, au fond d'une mine de sel. Oh mon Dieu! Non, non, il n'est pas mort, ils sont en train de le chercher. Il y a encore de l'espoir, mais c'est très éprouvant pour elle. C'est affreux. J'ignorais qu'elle venait de Roumanie. Si, si, de Vladiaza. Je crois qu'il vaut mieux que je la raccompagne à l'hôtel. Ça tombe mal, mais... Monsieur Bruck, demain, j'aimerais que vous veniez nous rendre visite. Après-demain, nous organisons notre fête annuelle du vin. Vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas envie. Oh, mais si. Nous voudrions vous connaître davantage tous les deux afin de décider qui vendra notre vin. Et venez avec votre femme. La famille, c'est très important pour nous. Avec plaisir. Mais enfin, qu'est-ce qu'il prend? Je sais très bien ce que je fais. Il est marié? Avec ta copine d'école. Ils ont des triplés. Très bon vin. Diane? Diane! De gros problèmes, Madame Schönleber. Ça fait un moment que je vous cherche. Je suis allé partout. Sur chaque pont, en haut de chaque tour d'où on peut sauter. Vous voulez vous jeter sous un train, peut-être? Pour l'instant, j'attends le train de nuit. À 7 heures du matin? Pourquoi Rebana? C'était le nom d'un pur sang qui lui a rapporté 17 000 euros il y a longtemps. Donc lui, c'est votre mari et Victoria, c'est... Oui, elle, c'est sa maîtresse. Il faut que vous vous battiez pour lui. C'est pas mon genre de partager, ça c'est hors de question. Oui, mais les hommes traversent parfois la crise de la quarantaine avec ce genre de fille. C'est une passade, rien d'autre. Vous l'aimez encore? Alors récupérez-le. Ce jour-là, il tombait des cordes, c'était en novembre et... Il était trempé quand il est entré dans le magasin d'antiquités. Et il voulait tous les bouquins sur le vin. Je lui ai d'abord donné une serviette et je lui ai préparé du thé. Il grelottait de froid et moi je tremblais parce que j'étais déjà tombée amoureuse. Qu'est-ce que vous attendez? Je vais vous aider. Pourquoi? Vous le déstabilisez en débarquant ici, et je crois que j'aurai plus de chances d'obtenir les mandats de vente. Mais je vous ai plutôt gêné jusqu'ici. Justement, vous allez pouvoir réparer ça. Thank you.
Vous me plaisiez plus tout à l'heure. Je m'en fiche, c'est à Alain que je veux plaire. On est mariés depuis 3 ans, nous avons 3 enfants, des triplés, 3 beaux garçons dont nous sommes très fiers. Ne me dites pas qu'ils ont gobé ça. Et vous n'avez pas de commerce de vin? Pas encore. J'imagine que vous n'y connaissez rien du tout. Est-ce qu'on peut changer de sujet? Vous n'êtes qu'un tricheur. Vous ne savez encore rien de moi. J'ai fait 10 mois de prison, ça je l'avoue. Vous pensez que les Bellingueri iraient confier leur vin à un repris de justice? Félix, Vincent et Laurent. Voilà les prénoms de nos fils. C'était Brut? Il n'a pas encore compris qu'il est hors compétition? Mais c'était Alain. Ta copine d'école est à côté de lui. Quoi? Dis-moi, est-ce que tu es sorti avec elle? Ça va pas, pourquoi tu dis ça? Elle m'a regardé avec une telle jalousie. Tu te fais les idées. C'est le genre de femme qui adore faire la cuisine, laver, repasser, nettoyer sa maison. C'est une bonne fille du terroir, bien gentille. Tu dis toujours que ton épouse est comme ça. Tu l'as quand même épousée. Ça n'a rien à voir. Et on avait convenu de ne jamais parler de Diane. Mais tu ne peux pas m'interdire de penser à elle. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Assez stupide pour faire la course avec lui. Ah, moi j'étais d'accord, pas elle. Pour le récupérer, la meilleure stratégie, c'est la jalousie. Si Alain devient jaloux, il va forcément essayer de vous reconquérir. Mais il sait très bien qu'on fait semblant d'être ensemble. Il faut absolument lui faire croire qu'on a une liaison dorée. Alors, pour ça, j'ai besoin d'informations d'ordre intime, évidemment. C'est vraiment nécessaire? Avez-vous un tatouage? Non. Est-ce qu'on vous a retiré l'appendicite? Non, les amygdales. Vous vous rasez? Là? Pas là, je veux dire... là. Oh, ça va. Ça se fait aujourd'hui. Et ne faites pas cette tête-là, c'est la mode. Mais par contre, j'ai un grain de beauté. À gauche ou... à droite du... À gauche. Et moi, j'en ai un à droite du... Vous voulez le voir? Je parle du grain de beauté. Merci! Qu'est-ce que vous faites? Je suis presque sûr qu'on nous observe. Enlacez-moi. Bon, mais ça devrait suffire pour rendre jaloux Alain. Oui. Tenez-moi ça, s'il vous plaît. On y va? Qu'est-ce qui se passe dehors? Rien. Ah, tes invités sont là. Ils sont en retard, encore une fois. Viens, on va leur souhaiter la bienvenue. Non, sans moi. Je préfère aller à la chasse. Bon.
Bonjour. Bienvenue au château de Bellinghieri. Je suis ravie que vous ayez pu venir, malgré l'épreuve que vous traversez, madame. Oui, nous avons eu de gros soucis avec le service des limousines. Oui. Et ensuite, on est resté bloqué et on a eu une panne de moteur. Voilà. Ah, mais Giuseppe va s'en occuper. Où sont vos bagages? Nos bagages? Dans la voiture. Ah. Je vais les chercher. Venez, suivez-moi. Oui. Merci. De rien. Votre petit manège. C'est vous qui avez envoyé cette carte à ma femme. À quoi vous jouez avec elle? Avec Diane, c'est fantastique. C'est un véritable coup de foudre. Elle n'est pas du genre à aller voir ailleurs. En tout cas, dans les trains, c'est une femme passionnée. Vous n'avez pas couché avec elle? Je suis devenu dingue de son petit grain de beauté. Quel grain de beauté? Celui qui est à gauche de son... Moi, j'en ai un aussi, à droite. Vous voulez le voir? Une chose est sûre, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Je vais bien finir par savoir qui vous êtes. Salut Alain, coucou mon chéri. Salut. Rebana. Je vais vous raconter quelque chose de coquin, alors vous êtes priés de rigoler, d'accord? De quoi est-ce que vous parlez? Oh, vous venez juste d'arriver, vous devriez acheter une voiture. Viens, Bruno nous attend. Où allez-vous? Ramasser des truffes, dépêchez-vous si vous voulez venir. Ramasser des truffes? On va en profiter pour attiser la jalousie de votre cher mari. Comment est-ce qu'on va faire? Allons d'abord à la cuisine. Tenez, de l'huile de truffe. Maintenant, on y va. Julia a un odorat très développé, vous allez voir. Elle trouve des truffes qui poussent jusqu'à un mètre en dessous du sol. Incroyable. C'est quoi votre plan? Je vais vous badigeonner d'huile de truffe. Et ensuite? Julia va se précipiter sur vous, vous aurez très peur, vous allez vous sauver, elle va vous rattraper, et puis Alain va courir lui aussi. Et ensuite? Vous tomberez, vous ferez semblant de vous être tordu la cheville. Alain va arriver, il va aussitôt vouloir vous aider, et vous, à ce moment-là, vous lui annoncerez brutalement que vous voulez divorcer. Je n'en profite pas pour me réconcilier non, avec lui. Non, surtout pas, il faut qu'il réalise qu'il vous a perdu, et ça va le stimuler pour vous reconquérir. Mais comment pouvez-vous en être sûr? Je suis un homme, vous savez, nous sommes tous pareils, vous en faites pas. Mais il y a un petit problème. Il ne tient pas la laisse de Julia et Bruno n'a aucune envie de la lâcher. Une minute. Monsieur Bellinghieri! Oh, oh! Je peux tenir Julia une seconde? La veux? C'est un honneur, merci. C'est un super plan. C'est impossible que ça ne marche pas. Vous allez voir. Non! Oh! Je veux la tenir, mon fils! Prends-la! Julia! Julia! Ah, elle est craquante, hein? Va la chercher! Julia! Non. Julia! Julia! Viens m'aider, bon sang! Oui, bien sûr, j'arrive. Julia! Thank you.
Où est passée ma truie? Elle doit pas être loin. Et où est votre veste? Vous l'avez perdue? Oui, on dirait. Nos maris sont concurrents en affaires, mais nous, on n'a pas de raison de l'être. Je m'appelle Victoria. Vous avez reçu des nouvelles de votre père en Roumanie? Mon père est mort. Oh, mon Dieu. Les sauveteurs n'ont pas réussi à le sortir. Mais enfin, de quoi vous parlez? Il était à Vladiaza, en Roumanie. Mon père est décédé il y a une dizaine d'années d'un infarctus pendant qu'il couchait avec sa maîtresse dans un hôtel. C'est Diane. Oh, alors comme ça, c'est vous. Ah, ne me regardez pas comme ça. Dans ce petit jeu, c'est moi qui suis la victime. Vous croyez que c'est drôle de jouer le rôle de l'épouse pour qu'il obtienne des contrats? Mais vous savez quoi? Je m'amuse à compter les jours. Comme ça, c'est moins douloureux. Ça fait 18 mois et 12 jours que notre liaison a commencé. Et je sais que je l'ai vue plus souvent que vous. 18 mois et 12 jours. 18 mois et 12 jours. 18 mois et 12 jours. Ce n'est pas le genre de fille que les hommes vont voir quand ils traversent la crise de la quarantaine. Elle, c'est sa seconde épouse. Ce n'est pas une raison pour renoncer. Si, justement, c'est une raison. Mais ne partez pas, voyons. Tout ne se passe pas comme prévu, d'accord, mais je trouve que ça ne va pas si mal. Franchement, Victoria sait qui vous êtes maintenant. Et Alain va certainement avoir des problèmes avec elle. Et ça, c'est bon pour vous. Vous voyez? Là, ça chauffe. À cause de toi, je passe pour une idiote, j'en ai marre! Oui, c'était seulement pour te protéger. Tu es tellement jalouse. Qu'est-ce que tu fais encore? Je veux d'abord en savoir plus sur Bruck. Cette petite comédie a assez duré. Ah! Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Maintenant, ta double vie, c'est fini. Hein? Tu vas te séparer d'elle. Une minute, ma petite. Depuis le début, je te dis la vérité. Je ne t'ai jamais fait croire qu'on allait fonder une famille. Avoue que depuis le début, je suis très claire. Eh bien, moi, je ne veux plus jouer. Victoria! Chérie! Alors, où est passée Julia? Giovanni a retrouvé cette veste sur son camion. Julia l'a suivie jusqu'à Matchesine et ça fait un sacré chemin. J'ai bien essayé de la rattraper, mais elle était déjà repartie. Mais tout ça, c'est de la faute de ce Bruck. Ne t'inquiète pas, elle va sûrement revenir. Allez, assieds-toi, je t'ai fait un café. J'ai décidé de signer le contrat avec Alain. Bruno, ce domaine appartient à ma famille. Oui, je sais. Je sais bien que je ne suis qu'un pauvre caviste qui a épousé la fille d'une riche famille de la noblesse. T'en fais pas, j'ai pas oublié. Ça va, ça va. Merci de me l'avoir rappelé. Fais attention, c'est épicé. C'est épicé. Et alors? Isabella, Alain fournit les meilleurs restaurants de toute l'Europe. Que veux-tu faire avec ce Bruck? Je voudrais seulement que tu le connaisses un peu mieux et ensuite tu décideras ce que tu voudras. Mais enfin, pourquoi? Et pourquoi veux-tu quelqu'un d'autre que toi vendre le vin? J'en sais rien. Ça fait longtemps qu'on est mariés. Et c'est la première fois qu'un secret nous sépare. C'est l'un des meilleurs vins d'Italie. Il suffit de regarder. Il n'y a que du Corina Véronèse qui pousse ici à perte de vue. C'est le seul raisin qu'on utilise pour produire notre vin, tant sa qualité est exceptionnelle. Tiens, goûte-moi ça. Tenez. On reconnaît déjà le goût de la marronne. Mmh.
Je n'en peux plus. Je ne remettrai plus les pieds dans un vignoble. Si ça ne vous intéresse pas, dites-le. Vous n'avez qu'à attendre dehors, monsieur Brick. Venez, monsieur. Oh, les femmes. Pardon. Il faut bien comprendre que c'est d'abord un énorme travail d'équipe, de plusieurs personnes. Et un entretien permanent qui garantisse, de façon certaine, la qualité unique de notre amarone. Et on fait reposer le vin pendant 7 ans dans ces grands tonneaux de chêne avant de le mettre en bouteille. Ça prend du temps. Par ici, s'il vous plaît. C'est du chêne de Slavonie, du bon bois. Il a plus de 150 ans. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on les lave à l'intérieur régulièrement? Oui, bien sûr. Pas avec de l'eau, on ne les nettoie qu'avec du vin. Un de mes ouvriers est obligé de se glisser à l'intérieur. Et il prend toujours une bougie avec lui. Oh, c'est romantique. Mais non, ça n'a rien à voir avec le romantisme. Cette bougie peut le sauver. C'est pour l'empêcher de se perdre dedans? Il peut y avoir du dioxyde de carbone. C'est un gaz inodore, mais très dangereux. Et lorsqu'il se répand, la bougie s'éteint immédiatement parce qu'elle n'a plus d'oxygène. Oui, on lit ça dans tous les bons manuels d'œnologie. Je m'y connais, j'ai failli mourir en nettoyant un tonneau. Et qui vous a sauvé? Mon père. Mais qu'est-ce que votre père? Excuse-moi, Bruno, mais nous ne devions pas déguster ton amarone? Je ne peux plus attendre. Oui, d'accord, allons-y. Venez. Alors, que dites-vous de ce vin? Délicieux. C'est une belle réussite. La couleur n'est pas aussi marquée sur le bord. C'est un vin jeune. L'étiquette aussi est jeune. Il a un goût de griotte, il est très généreux. Et de violette, de rose et de noisette. Et il y a un soupçon de... Un soupçon de truffe? C'est ça. Génial. Bruno, génial. Oui, c'est vrai, il n'y a rien à redire. Mais vous voulez ajouter quelque chose? À mon avis, il manque d'équilibre. C'était votre point fort autrefois, si je ne me trompe. Oh, allons, c'est un vin jeune. Donc ce critère n'entre pas en ligne de compte, mon cher. En revanche, il est bien corsé. Bien corsé? Ah, ça, c'est certain. Et on ne peut pas comparer des crus qui sont aussi différents. Ils ont chacun leurs caractéristiques. Ce vin est âpre. Ça doit venir du processus de clarification. Est-ce que vous avez changé de caviste? Non, non, je... C'est moi le caviste ici. Et ce, depuis toujours. Ça fait un bail, maintenant. Mais si vous n'aimez pas mon vin, personne ne vous oblige à le vendre. Que veulent dire tous ces noms qui sont inscrits là-bas? Au cours de notre fête, il y a une compétition, c'est traditionnel chez nous. Le couple qui remplit le premier un gros tonneau de raisin a gagné. Et il a son nom gravé là-dessus à jamais. C'est joli, n'est-ce pas? C'est vous, là? Mm-hmm. Bruno a d'abord été obligé d'obtenir l'accord de mes parents. Mais il l'a eu tout de suite. Non, non, souviens-toi, on l'a obtenu ensemble. Un mois après, on était mariés. Tout le monde peut y participer? Oui, oui, bien entendu, mais c'est très fatigant. C'est pour ça que très peu de couples se présentent. Cette année, il n'y en a que 2 qui se sont inscrits pour l'instant. Bruno, je ne sais pas si je dois te le dire ou non, mais j'ai donné quelques coups de téléphone et j'ai découvert qu'Antoine Bruck n'est sûrement pas négociant en vin. Il n'y en a aucun qui porte ce nom-là en Europe. S'il cherche à me gruger, je vais l'envoyer au diable.
Mais moi, je viens de faire la liste de tous mes clients. La voilà. Maintenant, à toi de décider à qui tu veux confier ton vin. Si c'est à moi, j'en serais très heureux. Et voici le contrat. Bruno, j'aimerais parler à mon mari seul à seul. Oh oui, bien sûr. C'est Antoine Bruck. Il est le premier à nous expliquer que notre vin n'est pas d'une qualité supérieure. Bientôt, ce sont mes clients qui vont s'en apercevoir. Et moi, je ne pourrai plus regarder personne en face. Donc, c'est pour ça que tu veux te débarrasser de la vente? Oui. Et comment tu expliques que la qualité se soit dégradée à ce point-là? Oh, j'en sais rien. Bruno, s'il te plaît. J'aimerais que tu me le dises franchement. Tu as tellement changé. Tu n'es plus l'homme que j'ai tant aimé dans le passé. Et arrête de boire. Je vais prendre le train de nuit. La fuite, c'est mon truc, pas le vôtre. Cette compétition, c'est votre dernière chance pour gagner la confiance des Bellingueri. C'est terminé, je ne mettrai plus les pieds dans un vignoble. Pour quelle raison? Vous êtes allergique au vin, vous n'auriez pas ce tatouage dans ce cas-là. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Mais vous croyez quoi? Qu'on va vous donner votre mari en récompense si on remporte le prix? Non, mais cette fille m'a déclaré la guerre. Eh bien, si vous voulez gagner la guerre, essayez d'abord d'arrêter de copier Victoria sur le plan vestimentaire. Alors là, vous exagérez. Mais en pantalon, vous aviez le plus beau... le plus beau corps. De toute l'Europe. Dans cette tenue-là, on voit rien. Vous pouvez vous tourner? Ce n'est pas un contrat de mariage. J'ai écrit quelques lettres pour qu'ils sachent comment graver nos noms sur un tonneau. Hé, c'est ton écriture, ça? C'est ton écriture? Oh, avoue que je ne pouvais pas deviner que ta femme allait débarquer. Et ça, ça l'a sûrement poussée à venir. C'est toi qui m'as dit qu'elle détestait voyager. Ton mari couche avec une autre femme. Ton mari couche avec une autre femme. Victoria, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Oh, j'avais bu et je me sentais seule et soudain, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'écrire ça. Ah oui, ça, oui, ça c'est une excellente idée. Tu réalises que tu m'as humiliée et tu détruis ma vie privée en plus. Et pendant que tu y es, vas-y, ruine ma vie professionnelle. Tu crois que c'est une bonne base pour une relation saine? Je vais te dire ce que c'est. Ça, c'est un motif de divorce. Pour ça, il faudrait d'abord être mariée. Alain, je t'aime tellement, oh oui. Je veux m'endormir le soir dans tes bras et le matin me réveiller avec toi. 365 jours par an. Et puis, je veux avoir des enfants avec toi. Je veux vieillir avec toi et même mourir avec toi. Oh. Victoria! Sors de là tout de suite. Oula. On entend tout ce qu'ils disent. C'est pas grave. L'important, c'est qu'ils s'engueulent. C'est très bon signe, ça. Je vais aller voir. Oh, mais enfin, mais où est-ce que vous allez? Mais faites attention! Mais... Oh! Non! Ah! Ne faites pas autant de bruit! Non! Oh.
Qu'est-ce que vous voulez faire dehors? Je veux savoir ce qui se trame là-haut. Le rôle de l'épouse, j'en ai ras-le-bol. Arrête de faire autant de bruit, tu vas réveiller tout le monde. Je m'en fous. Franchement, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je disais, je ne crois pas que ce soit une bonne... Oh, une bonne idée. Mais qu'est-ce qui se passe? Pardon. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Maintenant, écoute-moi bien. Je n'arrête pas de t'écouter. C'est pas ce que je voulais dire. Tu ne me comprends pas. Mais si, qu'est-ce que tu racontes? Mais Victoria! Diane? Diane, aidez-moi, s'il vous plaît. Allez, suivez-moi. C'est complètement stupide de faire ça. Mais enfin, si Bruno nous surprend, on n'aura plus qu'à faire nos bagages. Allez, tenez-moi ça. Mais c'est bien trop haut, attention! Je vous l'avais dit que vous étiez mieux en pantalon. Quoi? Rien, faites attention. Ne regardez pas en bas. C'est bon, je l'ai. J'arrive! Julia, te voilà. J'étais mort d'inquiétude. C'est bien. C'est rien. Oui, je suis là. Ça va aller. Bonjour.
Bonjour. Vous vous en allez? Oui, c'est mieux comme ça. Je n'ai pas l'impression de vous avoir beaucoup aidé. Moi non plus. Non, je crois que c'est mieux comme ça. Je ne m'appelle pas Bruck. Je m'appelle Volbruck. Antoine Volbruck. Et j'ai mis le feu au vignoble de mon patron parce que... Parce que... Il était l'amant de ma femme. C'est pour ça que j'ai fait 10 mois de prison. 700 000 cèpes, vous imaginez? Réduits en cendres en un jour. Les meilleurs de la région. Et en quelques heures, j'ai tout détruit. Alors je préfère m'éloigner des vignobles. Et de l'amour aussi. Vous alliez nous quitter sans même venir nous saluer? Oui, je dois partir. Un rendez-vous important. Mais pas sans petit déjeuner. Oh, moi le matin, je ne mange rien, vous savez. Un espresso, alors venez boire un café avec moi. Allez. Venez, monsieur Volbruck. Vous savez comment on fait un espresso? Pardon? Ah, oui. Il n'y a plus qu'à moudre les grains. Mais dites-moi, vous y connaissez bien en vin? Un peu, oui. Vous vous sous-estimez, je crois. Vous êtes le premier à avoir remarqué que notre vin n'était pas parfait. Je suis trompé, si ça se trouve. Non, pas avec un maître comme votre père l'était. Il a travaillé chez nous pendant 2 ans. Ça a été 2 belles années. À l'époque, j'étais très jeune. On écoutait toujours du jazz ensemble, Louis Armstrong. Votre père avait le don d'imiter si bien sa voix. Et nous avons tellement ri. Tellement ri tous les deux. Ensuite, Bruno est entré dans ma vie. Mais votre père n'a pas mis le feu au vignoble pour autant. Il est parti faire un long voyage. Où est-ce que votre mère l'a rencontré? Sur la route du vin. Je peux vous donner un conseil, mon cher Antoine. Dites au revoir à votre passé qui vous empêche de vivre. Tournez-vous vers l'avenir. Un avenir plein de promesses. Commencez en participant à notre fête du vin. Je suis sûre que vous avez assez de courage pour marcher à nouveau dans un vignoble. Allez, Antoine. Ça commence dans une demi-heure. La bienvenue à notre 175e fête du vin dans le domaine des Bellinghieri. Cette année, les participants sont Olivier et Annick Olmo, Alfred et Pauline Solozzo, Alain et Victoria Schönleber, Antoine et puis... Rebana Bruck. Bon, alors tout le monde connaît le règlement. Jusqu'au coucher du soleil, vous allez essayer de récolter le plus de raisins possible, jusqu'à ce que le premier tonneau touche le sol. Que le meilleur couple gagne. Bonne chance. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. 3, 2, 1... Dicine nella tenevano galle, tutte notte ce vanno
Antoine ? On va y arriver ensemble. Attention ! Comment on fait ? On calculerait un mur ? Exact. C'est plein ! D'accord. Vite ! Dépêche-toi ! Je parie 100 sur Bruck. Tu paries 100 euros? Non, 150 maintenant. Oh. Regardez ces grappes-là. Quelle beauté! L'ennemi, c'est un vigneron. Oh! Grouille-toi, qu'est-ce que t'attends, bon sang? Ouais, mais... Nous aussi, on a fait ça, rappelle-toi. La pause de midi, c'est l'heure! Oh, au revoir, alors, ça s'est bien passé. On a fait tout ce qu'on a fait. Désolé. C'est rien, merci à vous d'avoir participé. C'est quoi votre couleur préférée? Le bleu. Et votre peintre préféré? Paul Gauguin. Votre fleur préférée? J'adore le tournesol. Et le légume? Votre céréale préférée? Votre arbre préféré? Pourquoi vous voulez le savoir? Comme ça, pour savoir, c'est tout. Il vaut mieux qu'on en reste là. Ma femme a pensé que... Enfin, je voulais... Mais je vois que vous avez déjà ce qu'il faut. On reprend dans une demi-heure. Allez le voir. Monsieur Bellingeri, attendez. J'ai remarqué que vous vendangiez sans utiliser de machine. Oui. Vendanger, pour moi, ça veut dire séparer les bons raisins des mauvais. C'est faire une sélection, faire le tri. Oui. Une machine en est incapable. Quoi, Antoine Volbruck? On connaît pas. Envoie-moi ça par email, ok? Salut. Alors? C'est bizarre, ils parlent ensemble comme s'ils étaient copains. Il n'est pas né de ce type, j'en suis sûr. Il faut absolument qu'on gagne, en tout cas. On en est encore loin, pour l'instant. Eh bien, trouve une idée. Toi qui es si malin. T'as du liquide sur toi? C'est parti pour le deuxième tour!
passer les Olmos. Je ne les vois plus. Mais mon père... Il n'en voulait pas plus. Bruno, quelle belle fête! Allez, allez, plus vite! On va gagner! Ah, oh. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, relève-toi, allez! Je suis vraiment désolé. Oh, ça va aller. Je vais t'accompagner à l'hôpital. Hein? Non. Mais si. Non, toi, tu continues. Tu rigoles, je vais avec toi. Arrête de discuter, il faut qu'on gagne, voyons. Je ne veux pas que ce soit Diane. Musique! Pas beaucoup. Ce n'est pas difficile à voir. Ce n'est pas la question. On n'a pas besoin de vous ici. Je suis curieux de voir la réaction de Bruno quand il apprendra que Volbruck est coupable d'avoir brûlé 700 000 cèpes de vigne. Veuillez m'excuser. Le couple gagnant peut s'embrasser maintenant. Magnifique, ces deux-là. Vous avez reconquis votre mari. Musique! Ça ne vous fait rien si j'invite ma femme à danser? Tu es ravissante. Tu devrais aller parler avec Antoine maintenant. Moi, c'est Bruno. Antoine. Oui. Assieds-toi là. Bon, Antoine,
Quand j'ai fait ta connaissance, je ne t'ai pas beaucoup apprécié, mais les choses ont changé. Je crois que c'est toi qui devrais vendre mon vin. Non, c'est impossible. Non. Si c'est à cause des dernières vendanges, on va arranger ça. Hein? C'est pas à cause de ça. Je vous ai... Je t'ai menti sur toute la ligne. Je ne suis pas celui que tu crois. Je suis quelqu'un d'autre, voilà. Je ne m'appelle pas Bruck. Mon vrai nom, c'est Volbruck. Et elle, elle n'est pas ma femme. C'est un pur sang qui s'appelle Rebana. Enfin, je veux dire, elle s'appelle Diane. Et puis, on n'est pas mariés, et on n'a pas d'enfants, et encore moins des triplés. Non, non, tout ça, nous l'avons inventé. Et j'ai eu des démêlés avec la justice. J'ai mis le feu au vignoble de mon patron, parce qu'il avait eu une liaison avec ma femme. Donc, tout est faux. Ce qui est vrai, c'est que je suis vigneron, mais je n'ai aucune expérience dans la vente du vin. Dehors. Oui. Oui, d'accord. Je vais y aller, je crois que c'est mieux. Restez, Antoine. Tu te souviens? Il y avait le tonnerre, les éclairs, il pleuvait des cornes. La porte du petit magasin s'est ouverte d'un seul coup, et qui était là? C'était moi, trempé jusqu'au cou. Je tremble, c'est dingue. Ce n'est pas le froid, c'est de te sentir si près de moi. Je sens ta chaleur, je sens ta douceur et ton amour. Et tu me troubles. Antoine t'a dit la vérité, alors maintenant, à ton tour de tout me raconter. Pourquoi notre vin n'a plus la même qualité qu'avant? Ça ne le regarde pas. Et toi non plus. Bruno! Il n'est pas question qu'il y ait le moindre secret entre nous. Écoute. Tu te souviens, il y a 3 ans, j'ai eu cette attaque d'apoplexie. Ce n'était qu'une légère attaque, seulement le côté droit de mon visage a été un peu paralysé. J'ai été bien soigné, oui, ça c'est vrai, et je m'en suis remis. Mais depuis, c'est ma langue qui est engourdie. Je ne ressens plus le goût des choses. Rien. Je ne ressens plus rien. Rien du tout. Oh, enfin. Oh, je t'aime, Bruno. Tu le savais, n'est-ce pas? Je voulais que ce soit toi qui me le dise. Ma femme! Oh, Diane, tu te rappelles quand je t'ai offert ce poisson bizarre? Tu le trouvais hideux. Bah oui, il avait... Tu te souviens, il avait ce nez affreux. C'est un poisson avec un nez, c'est normal. Ah, tu parles. Quels sont les poissons qui ont un nez, hein? Celui-là, c'est l'exception. Tu as beaucoup changé. Je ne savais pas que tu pouvais être aussi... aussi... bonne vivante. Tu ne voulais peut-être pas me voir comme ça. Tu ne t'es jamais montré sous ce jour-là? Antoine est un des meilleurs cavistes européens. Je l'ai invité pour que vous deveniez amis et pour que tu lui transmettes ton savoir-faire. Mais c'est un fou furieux, celui-là. Il fiche le feu au vignoble. C'est parce que ma femme n'était pas la bonne. Ah, et maintenant, vous l'avez trouvée? Oui. Mais elle l'ignore encore. Eh bien, allez le lui dire, vous attendez quoi? Je suis retombé amoureux de toi, Diane. Je t'aime. Ce n'est pas si facile. Quand Antoine t'a embrassé tout à l'heure, j'ai eu très mal. Et puis... quand il a parlé de ton grain de beauté, là,
J'ai failli t'étrangler. Dis-moi quelle est ma couleur préférée. Quoi? Est-ce que tu le sais? Et quel est mon légume préféré? Quel est l'arbre que je préfère? Vas-y, dis-le-moi. Le rouge, le jaune, je sais pas. Comment veux-tu que je le sache? Il y a tellement de choses que tu ignores. Qu'est-ce que t'as? Je comprends pas. J'ai dormi durant des années. Quelqu'un m'a embrassée et je me suis réveillée d'un seul coup. C'est Antoine, ton prince. Oui. Dites-moi, vous savez où est Alain? Est-ce qu'on a gagné? Oui, lui, il a gagné. Oh, merci. Je suis vraiment navrée. Quelle est ma couleur préférée, Diane? Bonne chance. Et je pense qu'il vous attend. Antoine est dehors près des vignes. Ah. Alain. Ça y est, je me suis séparée d'elle. Mon arbre préféré, c'est le ginkgo. Mon reptile préféré, c'est la tortue. Ma lettre préférée, c'est le L. Et puis, mon étage préféré, c'est le rez-de-chaussée. Et mon... Est-ce que vous savez que vous me causez de gros problèmes, madame? Se tutoyer maintenant. On organise tout comme l'année dernière. Cette année, ce n'est pas nous qui gagnerons la fête du vin. Pourquoi? Parce que tu as un petit ventre maintenant. Je l'ai toujours eu. Ah, regardez-moi ça. Oh, viens voir ton combat. Oui. Oh.